Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La préservation de patrie et le souci de les peupler. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et tenez fermement le pacte d'Allah et évitez de vous disperser ». J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed et son serviteur et messager, ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la patrie est l'une de ces prescriptions majeures que la pure charia entoura de protection et de préservation. Sans doute, l'amour de patrie est une unité en fonction de laquelle la nature humaine saine est façonnée. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ancra ce sens lorsqu'il s'adressa à sa ville natale honorable, l'honorable Mecque, en sortant par Allah, tu es le meilleur soul d'Allah, le plus chéri à Allah. Si ton peuple ne m'avait pas fait sortir, je ne serais pas sortir. La patrie est l'un des grands bienfaits accordés par Allah, et qu'il faut remercier aussi bien verbal et pratiquement. Il faut se soucier de la préserver. Cette préservation n'est pas de simplement à dire, ni de slogan à lever. Il s'agit plutôt d'une conduite et d'une œuvre qui se font via des ordres et devoirs à remplir dans œuvrer pour réaliser la sécurité et la stabilité de la patrie. La sécurité est un bienfait accordé par Allah, gloire à lui, duquel Ibrahim, salut sur lui, invoqua son Seigneur en disant « Oh mon Seigneur, fais que cette cité soit visible ». Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avance le bienfait de la sécurité sur celui de boire et manger. Le prophète dit « Quiconque se lève le matin bien sécurisé pour sa famille, en bonne santé et ayant de la nourriture de son jour, est semblable à celui dit d'y tient toutes les délices de la vie. Parmi les éléments de la préservation de patrie, on cite la nécessité de se servir du moyen et de la force de la science. En même temps, le poète dit « C'est par science et bien que les gens fondent leur gloire, aucune gloire n'est à se fonder sur ignorance et pénurie. » Notre religion invite au travail et à la perfection. Allah, gloire à lui, dit « C'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ses grandes tendues, mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui et la résurrection. » Et il dit « Œuvrez, car Allah verra votre œuvre, lui, son messager et croyant, et le croyant. » Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Personne ne mange une nourriture mieux que celle le fruit de l'œuvre de sa main. » David, le prophète d'Allah, salue sur lui « Se nourrissez de l'œuvre de sa propre main. » Allah aime que lorsque l'un de vous fait une œuvre, qui la perfectionne. Préserver, dit les patries, exige de prévaloir l'entrée publique de la patrie loin de toute forme de égoïsme, individualisme ou pacifisme. La patrie a besoin de la donation sincère, la solidarité et de l'entre qu'il immense de tous les citoyens. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, non on lance le parabole en disant la parabole du croyant en solidarité, affection et entre clémence et sul d'un corps compact dont lorsqu'un membre souffre, les autres membres le consolent par veiller et éprouver de la fièvre. On dit quiconque vit seulement pour lui-même ne méritait pas d'être né. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les moyens
susceptible de préserver la patrie, on cite la bonne appartenance et la bonne allégeance. La prédisposition de sacrifier pour lui la garde de ses frontières et le fait de repousser de lui tout adversaire ou quiconque pense à l'agresser ou en ébranler la paix, la sécurité et les potentialités, qu'il soit béni celui qui dit dépiller dont les gens mûrir pour nous subsistions et de spurir pour que leur peuple survive. Notre religion incite à construire et peupler la vraie religion zété et le savoir vivre et le peuplement. Si bien religion de la civilisation de progrès, elle corroît en science, sacralise le travail, incite à perfectionner et interdit la subtage. On affirme que la préservation de la patrie est la mission de tous ses citoyens. Elle se fait par où et leur effort, chacun dans son domaine. Le soldat et le policier sont chargés de préserver la sécurité. Le médecin dans l'hôpital, le paysan dans le champ, l'ouvrier dans l'usine, l'étudiant par ses efforts pour avoir de la science, et ainsi de suite, somme toute, la patrie et notre responsabilité devant Allah, gloire à lui, et devant nous. Les citoyens sont dans le même bateau, sont solidaires de chercher le sauvetage. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « La parabole de celui qui préserve les lois d'Allah et celui qui les viole est celle d'un groupe qui font tirage au sort pour montrer un bateau. Certains gagnent la partie supérieure alors que les autres est celle inférieure. Ceux de la partie inférieure doivent monter à celle supérieure pour ce breuve. Ils disent, nous pouvons percer un tour dans notre partie pour nous abreuver. Si les habitants de la partie supérieure les laissent faire, ils seront tous noyés. S'ils les freinent, ils seront tous sauvés. Ô Allah, préservez notre pays l'Égypte et tous les pays du monde. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.